Mesdames et messieurs, bonjour. Le club de Rennes-Larzac et le club de Rennes-Joseph-Payet de Pau sont heureux de vous voir là aujourd'hui. Merci d'être venus pour cette journée taurine traditionnelle, puisque c'est la 4e édition donc, de cette journée, qui va commencer par une manière de tienda. Ce n'est pas une tienda complète pour les non-aficionados ou ceux qui n'ont pas trop l'habitude. La tienda, c'est l'épreuve des vaches et taureaux également, que l'on veut garder pour leur introduction ensuite. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous l'école de Richard Millian, Ado Aficion, avec ses jeunes qu'il prépare. L'école Ado Aficion, grâce à Richard Millian, a pu permettre l'éclosion de toreros comme Thomas Dufault, comme Mathieu Guillon. Aujourd'hui, ce sont des jeunes que Richard amène pour que vous puissiez apprécier leur travail, leur enthousiasme, leur aficion débordante. Je vous souhaite à tous une excellente journée qui ne fait que commencer, mais qui va se continuer par des agapes gastronomiques importantes. Le festival, bien sûr, de 16h30. Et je passe la parole de suite à Olivier Barachat. Il est inutile de présenter, je suppose, mais qui va se présenter lui-même pour la cause que nous défendons et ce festival de bienfaisance en l'honneur et pour cette école à la profession. Merci Miguel, bienvenue à tous. Donc au nom de la COSO, l'association des organisateurs de Corrida et Noviada du Sud-Ouest, on est ravis de participer une nouvelle fois à cette matinée ici dans les arènes couvertes d'Arzac. Et donc il y aura trois vaches ce matin, elles sont amenées par les frères Batz, Gadatero à Auris dans les Landes. Elles ne sont pas de chez eux, elles sont amenées d'Espagne, elles sont d'origine de M. Pedres. Et donc, on a pu en voir la semaine dernière déjà à Magès, tout ça s'est bien passé. On aura trois vaches en piste, les unes après les autres. Il y a un garçon que l'on attendait, malheureusement, il s'est blessé à l'entraînement. C'est un grand espoir du sud-ouest de l'école à Profession. Pour vous montrer qu'il est blessé, il va venir saluer en piste. C'est Louis Pusson qui s'est cassé le poignet. Pour le revoir en piste, et on a beaucoup d'espoir dans son avenir. Alors on aura en piste donc ce matin, devant les trois vaches, ils vont se répartir, les jeunes espoirs de cette école Ado Aficion, Yanis et Andy Younes, qui vont se partager ces vaches, et puis en second, derrière, il y aura des jeunes, encore plus jeunes d'ailleurs, Dorian Canton, Jules, Jean, et Mademoiselle Nelly qui vient de Bordeaux, qui sera là aussi pour les aider. Voilà, donc bonne matinée à tous et on vous tiendra au courant de ceux qui sont en piste. Merci. Chaque jour que je taurine,
ma passion se ravive encore plus, donc j'ai de plus en plus envie de tourner. Très bien, parfait. On va pouvoir y aller.